Le dialogue national inclusif se pointe à l'horizon. Les préparatifs s'annoncent bons sous la supervision du ministère d'État chargé de la réconciliation nationale et du dialogue. Un groupe de la société civile a rencontré les experts du comité technique du COTNI pour une séance de restitution sur le processus du dialogue national inclusif. Cinq thématiques ressortent de cette rencontre. Il s'agit de la paix, la cohésion sociale et réconciliation nationale, la forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoral, droits et libertés fondamentales, la politique sectorielle et la question sociétale. Ce rapport général de synthèse du colloque sur la refondation de l'État unitaire décentralisé au Tchad a été remis au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. La population, dans ses répartitions géographiques à l'intérieur et à l'extérieur, dans ses organisations sociales, politiques, autres, soit en permanence associée dans les consultations, dans un mouvement d'aller et retour, pour que le dialogue soit non seulement un événement, mais un climat. La réussite du dialogue national inclusif revêt d'une importance capitale pour le Tchad. Pour ce faire, l'apport de la société civile est donc nécessaire pour trouver des solutions aux maux qui minent le développement du Tchad.